Prada Nargeza présente le nouveau tutoriel de la presse plieuse horizontale PP200 entièrement fabriqué et assemblé dans nos installations. La nouvelle PP200 est livrée de série avec une matrice pliante multi-V à 4 ouvertures de 50, 35, 22 et 16 mm respectivement pour différentes épaisseurs de tôle de 1 à 8 mm et un poinçon de 80 degrés et 70 mm de diamètre extérieur qui permet de plier une pièce complètement fermée avec une aile minimum interne de 75 mm. Nous allons réaliser différents exemples pratiques avec ces accessoires de série. Tout d'abord, nous allons plier une tôle jusqu'à obtenir une figure octogonale. Pour ce faire, nous avons marqué les 8 faces et divisé les 360 degrés par les 8 plis. L'angle de chaque pli est de 135 degrés. Les figures avec des plis complètement fermés sont l'une des principales applications des presses plates. Dans ce cas, nous avons fait une figure carrée de 75 mm d'aile intérieure. Celles-ci et d'autres types de pièces que nous allons vous montrer ci-dessous ne peuvent pas être réalisées avec des plieuses conventionnelles, car il y a toujours une collision avec la lame de la machine, empêchant la géométrie d'être complètement fermée. Chaque fois que nous voulons changer d'outil ou manipuler n'importe quelle matrice, nous devons arrêter la machine pour des raisons de sécurité. Nous tournons la matrice, la fixons et procédons à un pliage en tôle avec une épaisseur de 10 mm. Dans la pièce résultante, nous pouvons voir une légère marque à cause du pli. Si nous voulons la minimiser, nous changerons la matrice par une ouverture plus grande, rendant la marque complètement imperceptible au toucher. Pour réaliser des pièces avec des plis fermés plus petits, nous utiliserons ce poinçon de 22 mm de diamètre. Lorsque les outils sont fragiles, du fait de leur dimension, il est conseillé de régler la pression de la machine en l'adaptant au type de travail à effectuer. Nous allons changer la matrice de 85 degrés par celle de 35 degrés afin de pouvoir fermer davantage l'angle du pli. Nous remplacerons également le poinçon par un poinçon de 30 degrés qui nous permettra d'obtenir une forme en étoile à 6 pointes. D'abord, nous faisons une série de 12 plis uniformes à 105 degrés. Puis, nous répétons le pli en fermant jusqu'à 45 degrés les sommets des pointes de l'étoile. Si nous voulons faire des plis jusqu'à 150 mm de hauteur, il est conseillé d'utiliser le porte-poinçon Promecam. Nous le fixons à la table. Nous ajustons le parallélisme et nous pouvons attacher n'importe quel poinçon du système Promecam. «
il y a plusieurs poinçons et différentes matrices qui peuvent être interchangeables indistinctement selon le travail à effectuer. Le système de pliage des plieuses horizontales permet de plier plus facilement un cadre angulaire et de le fermer complètement. Il existe des systèmes de matrices, tels que la Rolla-V, qui évitent toute marque dans le pliage et sont particulièrement adaptés aux pièces qui n'ont aucun type de finition, peinture ou traitement ultérieur. Nous pouvons cintrer des tubes avec épaisseur jusqu'à un maximum de 120 degrés dans différentes tailles et toujours avec un rayon de cintrage intérieur fixe. Pour modifier la dimension, c'est très simple. Il suffit de placer la contre-boutrolle dans la bonne position et le moule correspondant à la taille du tube à plier. Nous pouvons également cintrer des profilés carrés jusqu'à 30 par 30 mm. Le tube doit toujours avoir une épaisseur supérieure à 10% de son diamètre. Cela signifie qu'un tube de 15 mm, tel que celui que nous sommes en train de cintrer, doit avoir une épaisseur supérieure à 1,5 mm afin qu'il ne se déforme pas pendant le processus de cintrage. Avec ce même outil, nous pouvons plier des barres carrées. Positionnons l'outil de poinçonnage en place. Évissons-le sur la tête de la presse et fixez la matrice à la table. L'extracteur a des ouvertures différentes selon la taille du poinçon que vous utilisez. Introduisons la matrice de 43 mm dans le porte-base. Vissons le poinçon sur le filetage. Réglons la fin de course de manière à ce que le poinçon soit inséré de 2 mm dans la matrice. Baissons l'extracteur et réglons-le pour que la tôle passe. Réglons la fin de course de manière à ce que le poinçon remonte de 2 mm à l'intérieur de l'extracteur. Plaçons la butée latérale à la bonne mesure et l'outil est prêt à percer la pièce.
Si nous voulons augmenter la durabilité des poinçons et des matrices, il est important de les graisser régulièrement. L'outil de poinçonnage dispose de deux supports latéraux qui aident à régler la hauteur où vous voulez faire le trou. Il est également possible d'orienter le poinçon et la matrice carrée en forme de losange. Pradhan Argesa dispose d'un large catalogue de poinçons et de matrices de différentes formes et tailles. Nous pouvons gruger des tubes de 16 à 50 mm pour pouvoir les souder à 90 degrés. Fabriquer des oreilles de différents types et formes, avec ou sans trou, d'un seul coup. Grâce à la matrice de cintrage de profilé à grand rayon, vous êtes en mesure d'effectuer tous les types de cintrage. En réglant correctement la fin de course de la machine, vous obtiendrez des diamètres plus ou moins grands. La capacité et la robustesse de la machine permettent de plier des platines jusqu'à 140 par 20 mm sans problème.
élargir et réduire les tubes jusqu'à un diamètre de 76 mm. Ici, nous réduisons un tube de 2 mm d'épaisseur et de 60 mm de diamètre jusqu'à la dimension de 57,5 mm pour l'introduire l'un dans l'autre. Il est important de graisser les outils qui ont beaucoup de friction pour augmenter leur durabilité, améliorer la finition de la pièce et faciliter leur extraction. Cet outillage permet de réaliser des figures circulaires d'un diamètre extérieur de 90 mm pour joindre ou décorer des barres de forge et plier la main courante à différents angles. La matrice de dressage des profilés est utilisée aussi bien pour le dressage que pour le cintrage. En fonction de la capacité du profilé, nous assemblons ou séparons les points d'appui. Nous régulons la pression de la machine en fonction du profil afin de la dresser ou de la plier sans avoir besoin d'utiliser les fins de course. Nous positionnons l'outil de découpe et nous le vissons sur la tête de la machine. Nous réglons la fin de course pour une ouverture maximale. En fonction de l'épaisseur à couper, nous ajustons le point d'appui au minimum pour obtenir une bonne coupe. La presse plate PP200 dispose d'une large gamme de formes pour réaliser différents types de barres. Nous vissons l'outil et posons les bouchons pour le protéger de l'écaille qui se détache pendant le processus de cintrage. Nous introduisons les boulons. Nous graissons les points de friction et la machine est prête à produire.
nous réglons à la bonne dimension du matériau en fonction de l'épaisseur. Nous plaçons la butée latérale et nous pouvons fabriquer des agrafes pour joindre des barres de différentes formes. Selon la taille de la pièce que nous assemblons, nous pouvons plier différentes épaisseurs d'acier. Ensemble, ils forment des tresses pour faire des barreaux et des garde-corps. Pour éviter que l'écaille ne pénètre dans la table, des bouchons et des goujons pour clé Allen de série sont livrés avec la machine et qui sont facilement interchangeables en fonction de la matrice à assembler. Butée réglable pour différentes positions. Elle peut être placée aussi bien à droite qu'à gauche de la machine en fonction de la pièce à fabriquer. Régulateur de pression. Compteur de pièces. Pédale de sécurité soutenue. Si vous appuyez brusquement sur la pédale, la machine s'arrête automatiquement. Étagère pour outillage. Possibilité de déplacer facilement la machine, aussi bien pour travailler que pour la stocker en cas de manque d'espace. Réglage du pliage. Nous activons l'interrupteur, nous réinitialisons en appuyant sur le bouton bleu, nous appuyons sur le bouton vert ON et nous actionnons le mode automatique. Tout d'abord, nous réglons la fin de course arrière pour que le matériau puisse entrer facilement. Nous activons la machine en mode manuel et nous réglons l'angle de pliage à l'aide de la fin de course juste avant d'atteindre les degrés de pliage souhaités. Nous passons en mode automatique et vérifions la dimension. Nous n'avons pas atteint les 90 degrés souhaités. Ensuite, en ne déplaçant que la fin de course, nous corrigeons l'angle et nous répétons le pliage. De cette façon, l'ajustement du pli au degré souhaité est beaucoup plus rapide et précis. Réglage du porte-matrice. Pour faire un bon réglage, nous vissons la matrice avec la plus petite ouverture en la soulevant d'un millimètre de la table pour qu'il n'y ait pas de friction. En mode manuel, nous nous approchons jusqu'à s'adapter au poinçon sans faire de pression excessive. Pour ce faire, il est conseillé de régler le régulateur de pression au minimum. Une fois le réglage effectué, nous vissons le porte-matrice. Activez le mode automatique pour que la machine recule. Nous l'arrêtons pour des raisons de sécurité et nous sommes prêts à changer l'ouverture ou la matrice en étant sûr qu'elle sera toujours centrée.